Et bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée. On se retrouve en ce dimanche pour le geek fauché comme les blés. Bonjour mon ami Clément. Salut Céd. Et joyeux Noël. Merci à toi aussi. Merci, et joyeux Noël bien sûr aux abonnés qui nous regardent. On se retrouve pour un nouveau concept, mais on vous explique ça juste après l'intro. Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, et oui je filme, c'est parti mon ami Clément, c'est 1h du matin, on a sané juste depuis 22h en fait, on y est, voilà, avec Clément, puisqu'on vous dit tout les amis, donc bien le bonjour à vous, voilà, ce dimanche qui nous regardait, il y aura sûrement eu le live des associés juste avant l'épisode. Donc un petit gros concept, nouveau concept, voilà, on a parlé avec Clément, on en a discuté avec Clément, on avait envie de vous proposer quelque chose de nouveau, quelque chose de, voilà, pour nous qu'on n'a jamais fait encore. Donc je vous montre, je montre la TH mon poteau. Vas-y. Alors donc du coup voilà, vous voyez, on est mode saison, on est sur une map allemande, mode saison bien évidemment, et on est à 0€. Le seul bien que nous possédons avec Clément, ce sont ces deux voiturettes de Toitouan Modding, donc à 5000€ la voiture. Donc c'est Clément qui a eu l'idée, qui avait vraiment envie de faire une série, dans le sens où on n'a rien, on est fauché, vraiment fauché. Et bien évidemment, on va vous faire participer, mais je vais laisser Clément expliquer un petit peu son idée, parce que il l'a, comme c'est lui qui me l'a proposé, il est beaucoup plus précis que moi. Bah, c'est de partir d'une map sans rien, sans ferme, sans tracteur, sans machine. C'est de faire le but, après, c'est de se faire des sous au début avec les missions, pour s'acheter peut-être une ferme hein, au début, ou un tracteur. Déjà un tracteur ? Et puis... Oui, déjà un tracteur. Voilà. Et après, s'acheter du matériel. Que vous allez nous dire qu'est-ce qu'on choisira. Voilà donc. Puis après, s'acheter une ferme, quoi. Voilà, comme dit Clément, on va avancer petit à petit. On va avoir, il va y avoir des accélérés. Clément va filmer de son côté, comme ça, même si on est dans la même ferme, on ne fait pas forcément les mêmes missions au même moment. On s'est mis aussi avec Clément. Voilà, on s'est fixé des objectifs qu'on vous expliquera tout au long de la série, bien évidemment, voilà. Bien évidemment, voilà, l'objectif, c'est de gagner de l'argent en faisant des missions, hein, ça c'est le premier objectif. C'est ça. Le deuxième objectif, c'est de vous faire participer les abonnés, je vous mettrai dans l'onglet communauté un sondage avec plusieurs marques de tracteurs, etc., etc., pour nous donner un peu votre avis. Donc, alors, Clément... 50% de décision des abonnés et 25% la tienne et 25% moi, d'accord ? Et ça fait 100%. Impec. Comme ça au moins tout le monde participe. On est tous les trois, tous les deux à choisir aussi ce qu'on veut comme matériel ou pas. Et on écoutera bien sûr votre avis à 50%. Comme ça au moins ça fait participer tout le monde et tout le monde y trouvera son compte. Qu'est-ce que t'en penses ? Impeccable, c'est ce qu'on donc, veut. Un geek, petit peu, voilà. Et toujours. le geek, bien sûr, fauché comme les blés. Alors, j'espère que le titre vous plaira, en tout cas. Voilà, donc on est resté concept map allemande pour la simple et bonne raison que on n'a pas eu trop le choix parce qu'on avait envie de partir sur une autre map, mais on va pas dire laquelle, mais c'était pas possible, ça marchait pas vraiment comme on voulait. Donc là, on va partir, donc mon ami Clément, en mission, c'est ça ? C'est ça. Donc, on va commencer à se faire des sous. Voilà, on va commencer à se faire des sous. Donc, échappe, on va. Moi, je vais prendre la mission là. Dans le champ 1. Je sais pas où c'est. On va emprunter, bien sûr, les objets. Donc, pour moi, c'est bon. Regarde, je vais récupérer. Donc, la mairie, elle va rester là pour le moment. Ça nous permettra, voilà, de nous promener aussi un petit peu sur la map. Voilà. Et moi, je prends mon petit Valtra. Je prends. Je sais pas ce que tu vas prendre, toi, Clément. Je sais pas encore, je regarde.
Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo, bien sûr, voilà, cette série va vous plaire. C'est vrai qu'on aurait pu rester sur la map où on était, mais bon, on avait envie de, voilà, de repartir propre, de repartir à zéro vraiment, propre, de faire un concept, voilà, nouveau, différent, et où il va y avoir, voilà, une multitude d'objectifs pour que vous puissiez participer aussi. Ah, ça c'est le klaxon. Moi, faut que je me recrée une ferme pour faire des missions. Il te faut te recréer une ferme pour faire des missions? Ouais. Non, t'es pas obligé? Si? Ouais, si, je crois bien, parce que là, il y a déjà un contrat actif. Ah oui, ben alors voilà, donc il te faut te recréer ta ferme. Donc la ferme de Clément, alors ce qu'on va faire en direct, comme ça au moins les amis, vous voyez que vous trichez, qu'on ne triche pas. Donc recrée-toi une ferme, Clément, vas-y. Attends, hop, c'est parti. Voilà. Vous allez voir comme ça, voilà, donc ici je vais créer une ferme à la con, voilà, pour moi, même pour moi, pas pour moi, mais vous allez voir. Je vais y passer dedans, donc là je vais être éjecté du tracteur, mais c'est pas grave. Et Clément, ce qu'il va faire, c'est que les 500 000 euros, là, il va me donner les sous ici, vous allez voir, ça va être vite fait. Comme ça, Clément partira à zéro aussi. Donc, on additionnera, bien sûr, voilà, on fera le transfert sur la ferme principale, hein, Clément. D'ailleurs, on va le marquer Gaec fauché comme les blés, voilà. On va essayer de faire ça. G.A.E.C. Ah, oh, bah t'as déjà fait la ferme. Fauché comme les blés. Ah, mince! T'as déjà créé la ferme? Ouais, j'ai déjà créé la ferme, ouais. Comme... Ah, c'est pas grave. Comme les blés, voilà. Donc, du coup, ça y est, c'est créé, c'est confirmé. Voilà, donc vous voyez, Clément est à zéro, moi je suis à zéro. Et cette ferme-là, regardez, hop, tout simplement, vous la supprimez. Mince, oui, il faut que je sorte de là, pardon. Et cette ferme-là, vous la supprimez. Et bien évidemment, voilà, on est à zéro tous les deux. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à faire des missions. Bien sûr, engranger de l'argent. Je cherche le champ 1, moi, il est où? Ah, il est juste à côté, en fait. Je pars de l'autre côté, déjà, ça serait pas mal. Donc, on connaît pas du tout la map, voilà. Donc, du coup... Donc là, pour info, on va pas filmer du côté Clément. Il y aura des accélérés, voilà, les amis. Donc, c'est vrai que vous aimez bien les accélérés en musique. Donc là, on va vous en prévoir pour que vous puissiez voir une multitude de choses. Et... quand on aura fini la mission, bien sûr, pardon, j'ai touché mon micro. On mettra, bien sûr, juste le moment où on récupère l'argent. Hein, Clément, on a dit qu'on ferait comme ça. Voilà, c'est ça. Ça sera mieux que de voir tout le temps la même chose. Oui, voilà, oui. Et puis, effectivement... Au début, c'est du répétitif. Ouais. Hein, au début, ça va être du répétitif. Et ça va être dur aussi, hein, parce qu'on n'a jamais fait ça encore. Hein, donc, du moins, avec Clément, on n'a jamais fait ça. Alors, le chat, c'est celui-là, je crois. Ouais, celui qui est à ma gauche. Voilà, c'est celui-là, là, voilà. Donc là, on va le cultiver, voilà. Donc, à un moment donné dans la vidéo, je couperai. Et on partira, bien sûr, en accéléré. Pour que vous ayez, voilà, vous ayez vraiment un contenu. Et puis voilà, et puis c'est sympathique. Bien sûr, on attend, bien sûr, vos retours, dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas, voilà, à nous dire ce que vous en pensez. Voilà, on avait aussi envie avec Clément de faire une série dans la joie et la bonne humeur, voilà, où on discute, on blague, on rigole, on déconne. D'ailleurs, Clément, au fait, oui, tu viens plus aux soirées? Quelle soirée? Mais tu sais, l'autre jour avec Papa Valaisan, on a fait une soirée tabernacle. Non, il a fait le nacle, hein. Ouh. Donc voilà, on avait envie, voilà, de profiter, de rigoler, voilà, de s'amuser et bien évidemment, voilà, de pas se prendre la tête. Mais en fait, je crois que la série va nous prendre vraiment la tête parce que ça va être vraiment une série où on va gagner de l'argent. On est parti table rase. On n'a aucun bâtiment, on n'a aucun animal, on n'a même pas les tracteurs, on n'a rien du tout. Donc on va engranger de l'argent. Donc on a dit avec les banques qu'on allait y passer quelques heures dans la semaine. Du coup, comme on a gardé le concept du GAEC, parce qu'au départ on n'était pas parti sur cette idée là, mais finalement c'est bien mieux comme ça, parce qu'on avait envie de garder ce concept du GAEC.
qui vous plaît énormément, les amis. Donc, voilà, à l'arrivée, c'est bien sûr d'avoir les moyens de s'acheter, bien sûr, la ferme, ben, la ferme de nos rêves, hein, voilà, la ferme que... La plus grosse ferme de la partie. Voilà, la plus grosse ferme de la partie. Et on va évoluer comme ça au fur et à mesure des épisodes, voilà. Alors, je peux pas vous promettre que, bien sûr, la série va sortir tous les jours, ben, toutes les semaines, au même moment, voilà, mais... bien sûr, elle sortira une fois par semaine. Voilà, on arrive avec Clément, on arrive à se trouver assez facilement. Donc du coup, voilà. Le plus compliqué, c'est de tourner. Voilà, le plus compliqué, c'est de tourner et bien évidemment, voilà, de se trouver pour tourner. Mais on y arrive, on essaye du moins, voilà, on essaie d'y arriver. Voilà, si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Voilà, donc là, pour info, il est 1h15 du matin, quoi. Donc, vous voyez, et Clément est levé depuis 5h du matin. Voilà. Donc, bon, on y arrive, vous voyez. Quand on veut, on peut, quoi. Hein, donc, voilà. Du coup, tu fais quoi comme champ, mon Clément? Là, je suis au 8. Au 8, d'accord. Je suis en train de passer un coup de culti. Comme moi, quoi. Ouais. Donc là... C'est vrai que, comme on a le mode saison, les amis, on va faire beaucoup de cultivateurs, beaucoup d'épandage d'engrais aussi, tu me disais, Clément? Ouais, bah là, au début, oui, et puis ouais, du semis, ouais. Après. Et du semis, donc, bien évidemment, on vous mettra des accélérés, bien évidemment, voilà, on va pas non plus, voilà. On va essayer de faire un concept de vidéo un petit peu plus long que d'habitude, comme il y a des accélérés. Clément, pas aujourd'hui, mais à l'avenir, il filmera, lui, de son côté. Voilà, on essaiera de choisir des missions différentes pour que vous puissiez avoir un accéléré de Clément, par exemple, qui laboure, et un accéléré de moi qui déchaume ou qui sème. Ou, voilà, vous voyez, on va essayer d'inverser un petit peu, voilà, et qu'on ait selon tous les deux. Saisons, de toute façon. Hein. Et selon, bien sûr, les saisons, voilà. Donc, on a laissé le mode saison en 9 jours, je crois. Je sais pas, tiens, c'est ce que je voulais te demander. J'ai pas regardé, mais bon, voilà quoi. T'as mis en 9 jours, ouais, c'est ça. Voilà. En 9 jours, il est, ouais, je ne l'ai pas touché, donc bon. Donc voilà, les amis. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, bien sûr, à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Je passe le bonjour, bien sûr, aux nouveaux abonnés. Merci à vous du fond du cœur. Je passe le bonjour aussi à ceux qui me suivent depuis le départ, qui nous suivent depuis le départ. Voilà. Et je fais un gros coucou à la Farming Family. Voilà, je leur passe le bonjour, voilà, et merci Clément, voilà, d'être avec moi, voilà, et d'avoir aussi des idées qui font avancer et évoluer la chaîne. Donc voilà, j'espère que ça marchera. Bah écoute, pourquoi pas, hein, on va voir, hein. En tout cas, c'est vrai que on avait envie, voilà, d'innover un peu, de changer de concept. Et quand on en a parlé tout à l'heure avec Clément, moi j'ai trouvé ce concept intéressant. Alors au départ, on n'était pas du tout... Alors on avait le concept, on avait l'idée, mais on l'a peaufiné, voilà, un petit peu à notre image, quoi, à notre façon d'être, à notre façon de faire, et à ce qu'on pense le mieux aussi, en se mettant à votre place, les amis. Voilà. Moi, avant de jouer avec toi, j'étais spectateur, donc fallait voilà. Que ça me plaise aussi, donc j'espère que ça vous plaira, puis que Ced aussi espère que ça vous plaise. Oui, oui, parce que moi, vous savez, je fais mes vidéos, je tourne mes épisodes avec Clément ou avec Elliot ou avec Jérémy. Je regarde tous les épisodes qu'on fait. Hein. Donc je me place en tant que spectateur, en tant que viewer. Et bien évidemment, ben, quand ça me plaît en tant que viewer, je me dis que ça peut vous plaire aussi. Donc voilà. Donc là les amis, on va on va arriver au bout là. Et on va partir en accéléré. Comme ça au moins... Voilà, ça vous permettra d'avoir la vidéo vraiment un petit peu, voilà, d'accélérer en musique. Je sais que c'est un concept qui vous plaît aussi. Donc, voilà. Oui, Clément. Je pense que ça peut faire plus de contenu que tes vidéos habituelles. Oui. Oui, oui, parce qu'habituellement, on part nos cheats, c'est vrai. Mais on a quand même tout, quoi. Tu vois ? Grâce à la vente du matos qu'il y avait d'origine, grâce à plein de choses. Donc là, on part vraiment de zéro. J'aime pas dire cette expression-là, mais on part vraiment à poil, quoi. Hein. On part vraiment fauché comme les blés, quoi. Hein. Vraiment comme le titre l'indique, quoi, les amis. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, on vous dit à tout de suite, juste après le petit accéléré en musique.
Les amis, donc voilà, on vient de déchaumer le champ. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est comme je disais avec Clément, donc là, on va valider la mission. Donc ici, c'est contrat mission. Obtenir, voilà, c'est obtenir qu'il faut faire. Donc voilà, la première rentrée d'argent, 1529 euros, mon ami Clément. Et vous voyez, le tracteur a disparu. Donc on disait avec Clément, très important, Clément, donc pas d'ouvrier. Ouais, pas d'ouvrier, pas de location. Pas de location. Et pas d'emprunt à la banque. Et je vous montre, l'emprunt est à zéro. Vous voyez, je sais pas pourquoi, total 1 million 26 000, je sais pas à quoi ça correspond ça. Ah, c'était la vente des véhicules vendus. Donc vous voyez, on a vendu pour 1 million 26 000 euros. Et j'ai modifié, voilà, donc on s'est vraiment mis à zéro. Donc total du prêt, total prêt zéro. Donc là, on est à 1529 euros, les amis. Clément est en train de travailler, regardez, dans le champ 8. Voilà, et donc on va aller le voir vite fait. Est-ce que t'as bientôt fini, mon poteau, ou pas? Bientôt, bientôt. Bon. Du coup, on disait avec Clément, donc on va vous proposer deux marques de tracteurs différentes. Bien sûr, alors toujours, bien sûr, moyennant finance. Hein, Clément, c'est ça? Oui, on donc, va pas s'acheter un... On va pas s'acheter une fin 2000. Fin 2000, quoi. Voilà. Mais par contre, je vous montre donc dans le shop, on a des petits tracteurs. Alors vous savez que moi je kiffe le 30-50. Donc, alors il y a le Fendt, le moins cher, c'est celui-ci, à 35 000 euros. Donc on va vous proposer la marque Fendt et bien sûr la marque John Deere. Ah, il y a le McCormick aussi, mais il est privé. Donc on va pas mettre un mode privé. Donc on va rester dans des modes publics que vous puissiez avoir. Je vous rappelle que cette map aussi, elle est compatible console, les amis. Donc vous pouvez très très bien l'avoir sur console aussi. Donc PS4 et Xbox, voilà. Donc regardez Clément, il lui en reste pas énorme à faire. Donc voilà, mon petit Clément, qu'est-ce que tu as de plus à dire? J'ai une question aussi pour les abonnés. Est-ce que le mode saison, on le passe en 3, en 3 jours, en 6 jours ou en 9 jours? Voilà, donc 3, 6 ou 9. Sachant... On va vous expliquer pourquoi. 3 jours, donc Alt S. Là, il est actuellement sur 9 jours. 9. Alors, 3 jours, ça nous permettrait. Alors, on est en train d'y réfléchir avec les mains du temps qu'on faisait l'accéléré. Ça nous permettrait, voilà, de vous proposer une, voire deux, voire trois activités, c'est-à-dire qui se suivent logiquement, quoi. C'est-à-dire, on passe le déchaumeur, là, actuellement, on laboure, on sème. Ça fait déjà trois activités qui peuvent être sympathiques. Voir comment on les mène, si on les mène en normal, c'est-à-dire en jouant avec vous ou en accéléré. Donc peut-être une partie, sûrement une partie, bien évidemment, en accéléré. Voilà, et ça nous permet aussi, comme on a le mode saison, d'arriver plus vite à passer les saisons. Trois jours, c'est court quand même. Moi, je dirais 6, Clément, tu vois. Ouais, je pense que 6, ça serait pas mal. Mais bon, quand même. On va laisser nos abonnés choisir 3, 6 ou 9. Et ça nous permettra, voilà, d'arriver, comment dire, à faire des récoltes, d'avoir, alors, d'engranger de l'argent. Alors, les amis, pour information, nous, on va continuer à jouer en off. Donc là, effectivement, Clément, quand il aura fini, il va valider sa mission qui va lui rapporter entre 4 et 6 000 euros. Je ne sais pas exactement combien. 6500 euros à peu près. Donc, mais on va le noter tout ça. Et à l'écran, je vous mettrai ce que ça nous a rapporté. Les missions qu'on a fait, le prix que ça nous a rapporté entre temps. Pardon, je touche mon micro en plus. Le prix que ça nous a rapporté entre temps. Et comme ça, vous pourrez suivre, effectivement, même si nous, on avance en off. Et voir qu'on avance petit à petit. Et à l'arrivée, on prendra à 50%, bien évidemment, votre avis. Et on donnera notre avis, nous, à nous deux, à 25% chacun. Voilà. J'espère que ça a été clair. J'espère que c'est clair pour vous, les amis. En tout cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo si elle vous plaît. N'hésitez pas aussi à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait.
Voilà mon petit Clément, on se quitte là-dessus? Et je pense que les tracteurs, si vous voulez, on peut aussi acheter les deux. Oui, Vu on qu'on peut. joue à deux sur la partie, de toute Voilà. façon, il nous faudra deux tracteurs. Il nous faudra deux tracteurs, donc. Et je pense que ça serait pas mal de nous proposer aussi dans une marque que vous voulez. Voilà, une autre marque que vous voulez, si vous voulez qu'on mette une marque qu'on n'a pas proposée, Avec un n'hésitez. tracteur pas trop cher, hein. Voilà, voilà, un tracteur pas trop cher, maxi 35 000 euros, hein, Clément, on disait. Ouais, pas plus. Après, il faut qu'on Parce puisse acheter qu'après. des champs et tout, hein. Et voilà, Enfin, donc du matos, quoi. on a calculé, on serait partant, nous, pour acheter. Je vous montre, les amis, tant que je suis là. Pour acheter le truc des. Là, le petit là, le pâturage des moutons. Ça nous permettrait donc d'acheter, donc bien sûr, les deux tracteurs, de l'épandage, un épandeur à engrais, bien évidemment, un semoir, parce qu'il faudra un semoir, une auto chargeuse. Vous Un voyez tout cultivateur. ça? Un Il nous cultivateur. faut beaucoup de matos là. Il nous faut au Donc. moins 200, 300 000. Donc voilà, il nous faut au moins 200 000 pour pouvoir être bien. Donc voilà, donc ne nous proposez pas bien sûr des tracteurs ou des machines à 300 000 euros. Parce qu'on ne pourra pas pour l'instant les acheter. Donc ça sera non, quoi. Voilà, tout simplement. Hein, Clément? C'est ça. Eh bien écoutez les amis, c'était cette Farmer 12, le geek du soleil. En Allemagne, fauché comme les blés. J'adore ce titre. Voilà, en compagnie bien sûr de mon ami Clément. Merci mon poteau. Merci à toi aussi. On vous souhaite de passer un joyeux réveillon de l'an. S'il vous plaît, je l'ai dit hier, je le redis aujourd'hui, si vous conduisez, ne buvez pas, s'il vous plaît, revenez-nous entier à la rentrée. Voilà, profitez de votre soirée du réveillon dans la joie et la bonne humeur. Voilà, on vous souhaite une excellente année. Voilà, pour l'année prochaine, on se reverra avant, bien évidemment. Mais voilà, voilà. C'est important, voilà. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Donc voilà les amis. Merci à vous pour toute cette belle année qu'on a vécue. La prochaine s'annonce, mais alors fois 10 000 quoi. Donc voilà, merci, merci du fond du cœur. On vous dit à très vite pour de prochaines aventures. Bye bye! Salut tout le monde!